Hello mes beautés, on se retrouve pour un retour action. En haut l'action. Je n'ai pas pris grand-chose, on est pour 21 euros. Après, j'étais faire un peu de course aussi. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche si ce contenu vous plaît. Je vous mettrai à la fin des nouveautés qu'il y a que j'ai pas pris. Je vous mettrai à la fin la vidéo. Je suis. Esprit. Et j'ai il a regretté pour me faire arracher une dent. En vrai, j'avais trop mal. En fait, madame me l'a pas arraché, mais j'ai toujours cette douleur de la dent. Et aussi, et pour que je finisse ma vidéo, ma déco de. J'avais marqué ma déco de Noël, maintenant c'est ma déco d'Halloween qu'il va falloir que je fasse. Il y a Halloween et automne. Moi je vais tout regrouper, voilà, comme ça fera une vidéo que je la finisse et que je la mette en ligne. Et finissons les bavardages. Soyons focus sur action. Action, je me suis pris ça. Vous connaissez. C'est. À la rose, c'est Menzo. À chaque fois qu'on va à Action, il va d'abord dans ce rayon-là. Il va pas ailleurs avant. Il va que dans ce rayon-là. Et il me prend que les trucs comme ça. Bon, ça va, c'est pas cher. C'est même pas 1 euro. Et ça sent vraiment très bon dans les toilettes. Je me suis pris ça. Je me suis pris la nouveauté des Air Booster. Comme ça. Il y en a trois. Il y a la banane, à la mangue et aux fruits rouges. Ma fille, elle m'a dit qu'il fallait mettre le flacon entier sur la tête parce que moi, comme je peux, j'arrive pas à la voir. Pour mettre le flacon, laisser agir et rincer. Et c'est un sérum pour les cheveux, pour faire pousser les cheveux. Est-ce que sérum pour cheveux? Ouais, voilà. J'arriverai pas à vous lire. Il est bien noté. Oh, je m'en suis pris un pour tester. On verra bien. Pour le prix, 2 euros et quelques. Si je retrouve les prix, je les mettrai là. C'est mieux. On verra bien si ça marche. Je vous en donnerai des nouvelles de mon produit. Terminé. Ma gourmandise, mais pour l'instant, je ne peux pas manger parce que j'étais au dentiste. Et ils m'ont cassé la dent en deux. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais j'ai un mal. Je ne dis pas. Je me suis pris ça. Alors ça, c'est des cacahuètes salées au miel. Mais c'est une tuerie. C'est une tuerie. Je mange ça vraiment, pas tout le temps, mais vraiment quand je vois que j'en ai envie, je prends ça. Je me suis pris, ça c'est nouveau aussi, c'est un grattoir à poils anti-rayures. Je me suis pris ça. J'ai vu que du violet, j'ai pris ça. Et derrière, regardez, on va tester. Pour un pré-nettoyage efficace, rapide, sans abîmer vos poils et casseroles. Voilà. Pareil, je vais tester, voir. Et voilà, je vais vous faire la suite, le reste, un peu plus tard, parce que là, on vient de frapper à la porte. Je vais aller voir ce que c'est et je reprendrai la suite plus tard. Hello! On se retrouve pour la suite de Action. J'ai changé d'endroit, comme vous aurez vu. Je me suis repris une deuxième petite lanterne comme ça à Action. Regardez. Elles sont trop belles. C'est des lanternes, on dit, des lanternes marocaines, côté ambiance et tout. LED en plus, c'est top. Ça m'en fait deux. Je me suis pris ça, c'était une nouveauté à Action. Ça, on met ça dans la poubelle et ça sent une odeur incroyable. Du coup, je testerai et si ça marche bien, je vous en referai des nouvelles dans les produits terminés. Je sais pas comment on l'ouvre ça. Je vais voir, je l'ouvre et puis le truc il est bien plat. Ça m'a coûté presque 3 euros, 2 euros et des poussières. Je prendrai les prix, je mettrai sur la vidéo. Je me suis acheté ça pour mettre dans mes toilettes parce que j'en avais plus.
C'est à la lavande. J'aime bien le goût de lavande. Je vous ferai une vidéo Temu, ce que j'ai acheté sur Temu. J'ai un truc pour mettre ici, un néon pour mettre à la place du cadre, voilà, je pense. Est-ce que ça m'embêterait d'enlever le tableau là? Verra bien où je vais le mettre, mais c'est une pépite. En plus, il est arrivé, il n'est pas cassé. J'adore! J'ai pris ça, j'en ai pris deux. C'est les poches pour litière de chat, j'en avais plus. Et maintenant qu'elle a grandi, qu'elle a 16 mois, elle est plus responsable et elle casse moins les trucs. Alors, du coup, je me suis pris ça. J'en ai pris deux. Il y a combien de poches à l'intérieur? 8. La 8. Ça me fait 16 poches. Je me suis pris des noix de cajou. Ben, je vous les montre, je pense. J'en ai pris deux. Voilà le deuxième. C'est au miel et au sel. C'est la pépite. Et ma dernière pépite que j'ai prise, je n'ai pas pris l'autre. Je suis dégoûtée. J'aurais su, je l'aurais pris, mais je ne l'ai pas prise. C'est de ma faute. Je me suis pris. Il est trop beau. Et voilà, il est trop beau, je suis trop contente. Ça m'a coûté, je crois, c'est 4,99. Je crois que c'est le truc qui m'a coûté le plus cher. C'est cette petite citrouille sorcière. Voilà. Je vais la mettre sur mon truc à ongles là. Ce sera une pépite. Me suis pris. J'étais à jardin de ressourcerie à côté de chez moi. Et vous savez que je suis fan de Pirates des Caraïbes. C'est mon film de tous les temps. Je le regarde tout le temps. Je ne m'en lasse jamais. Il est trop bien. Et c'est dommage que normalement, il devait faire le dernier. Mais comme ça s'est passé avec son ex-femme, du coup, je ne sais pas si le dernier Jack Sparrow va se faire. En en serrant, on croise les doigts, j'espère. Parce que c'est le seul que je vois arriver à faire ce film-là, Jack Sparrow. Du coup, c'est dommage, il n'y avait que ça. J'ai trouvé son livre de Jack Sparrow. Avec Jack Sparrow et son père. L'ultime assaut. Avec Will Turner. Will Turner. Elizabeth Swann. Là, il y a Jack, là. Et là, c'est... Comment il s'appelle, lui? C'est Capitaine Barbosa. Après, nous avons le père de James, David Jones. Ah non, c'est David Jones, lui. C'est pas le père de James. Lui, c'est David Jones. Et le père de James, il est là. Le Moluc, c'est Bill le Bottier. Après, nous avons le capitaine Sanfu. Sanfu qui est là. Et là, c'est le père de Jack. C'est capitaine Tiag. Le journal de bord. Il est trop beau. Je suis trop fan. Avec la... Celle qui arrive à le sortir de l'île. À Singapour. En janvier 2006, s'approche des Bahamas. Le 3 août 2006, perdu dans le désert. Et le royaume des rêves. Méfiez-vous des apparences. Les sorcières du bout du monde. Voilà. Voilà pour ce livre que j'adore. Et je l'ai payé 1 €. 1 €, je l'ai payé. 1 €. Je suis trop contente. Ça m'a refait ma journée. Même si c'était pas ça, ça m'a refait ma journée. Voilà, je vais mettre dans ma collection de livres. Ça va aller avec mes DVD Pirates des Caraïbes. Voilà pour cette vidéo. On va avoir la vidéo Temu. Là où j'ai acheté ma super, super truc que je vais mettre là. J'ai pas acheté grand chose sur Temu, mais j'ai acheté quelques trucs. Je vous montrerai ça. Voilà, pour ça, je vous fais des bisous.
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être averti dès qu'une vidéo est en ligne. Cookie, qu'est-ce que t'as? Je sais pas ce qu'elle a. Qu'est-ce qu'il y a? En plus, j'ai du mal à parler. J'étais au dentiste, elle devait m'arracher la dent. Elle me l'a pas arrachée, elle me l'a coupée à moitié. Ma mèche était tout à l'intérieur de la bouche d'ici, la langue et tout, j'ai du mal à parler. Bon, voilà pour ça. Je vous dis à plus tard. Et Cookie a bouffé des bisous.